Et salut les amis, je sais pas si vous voyez, je me suis mis derrière, petit lever de soleil, là on est en bord de plage. C'est super beau, il fait super froid. On est dans le négatif là, je sais pas combien, moins 3, moins 5. On va partir sur les hauteurs de la Londe. Voilà, bon ben ça va être un petit peu le même genre que la semaine dernière. Donc je sais déjà que je vais morfler, ça a été dur de se lever et de venir, mais vous voyez, j'essaye. Allez, ça part de là. Ça se regroupe tranquillement, on essaye de se réchauffer comme on peut et ça va partir. Et voilà, par le terrain magnifique par où on commence, un petit peu en bord de mer, c'est les Salins. C'est magnifique. La plage de l'autre côté. Lever de soleil. Enfin bref, le départ de sortie, il est magnifique. On va apprécier ça, après on va morfler. Pas beau ça les amis. Bon bah après 6 bornes tranquille, on arrive sur le spot. Et bien malheureusement on va commencer par me faire une petite succession de petits coups de cul bien raide en les en face là-bas derrière le bosquet. C'est bon, je suis chaud moi. Je suis déjà cuit. Allez, c'est parti. Oh putain, il m'a manqué un peu. Ben non, je suis moins bon. Je suis aussi mauvais. Allez, on filme la première. Passe les successions. Pour vous montrer quand même que j'arrive à faire quelques montées sur le vélo quand même. Derrière ça, on redescend un petit peu de suite. Et après ça remonte comme ça 2-3 fois d'affilée quoi. Avec le soleil sur le côté là. Tu vois rien. Allez, première, c'est bouclé. Ils sont pas bien là. Eh ben ça grimpe. Toujours bon dernier. Je fais ma sortie tout seul en queue de peloton. C'est dur, hein, toujours dur. C'est là que c'est difficile de se motiver parce que tu sais que quand tu sors, tu vas ramasser. Mais bon, d'un autre côté, j'espère que ça va quand même s'améliorer au fil du temps, même si pour l'instant, à la cinquième sortie, j'en sens encore aucun bénéfice. En tout cas, c'est joli. C'est sympa. Petit point de vue. Non, pas là, ça c'est pas un beau point de vue. Et là-bas. C'est une question de poids. T'es pas dans le bon sens, Pascal. Je vais baisser. Jean-Louis, baisse-toi. Allez, je crois que ça descend. Je suis pas sûr. Avec le soleil. Aïe, branche. Bon.
ben, je suis pas trop dedans. Ouh, j'ai lâché une poignée. Gauche, les gars, gauche. Gauche. Allez, c'est reparti. Allez, c'est tout en roulant, ça. Allez, ça monte. Ça monte, ça monte, les enfants. On s'accroche, on s'accroche. De toute façon, ils peuvent pas me doubler derrière, donc moi, je suis pas le dernier. Allez, go. Ça descend. Rassuré, ouais, c'est celle où il y a la marche. J'ai déjà faite, mais c'est psychologique. Je vais me tenir. Normalement, c'est par là, ça descend. Bon, mais j'ai pas fait la marche là. J'ai, je sais pas, je j'y pensais au départ. J'avais un mauvais pressentiment, donc ben. Je préférais pas la faire, pourtant j'ai déjà fait, mais une fois faut savoir s'écouter. Allez, bah du coup on remonte un petit peu. Allez, ça descend. Ça fait mal. Alors on refait la même descente. J'ai tanké la roue avant. À droite. À droite. Ah, et la variante, elle est là. Ah, et ça descend encore. Il n'y a personne devant pour l'instant. On peut lâcher un peu plus. Le soleil en face, là. C'est la misère. Ouais, elle était bien celle-là. Elle était bien celle-là. Alors on a pris à gauche et on a pris à droite. Allez, ça monte tout en dryon. Ce qu'il y a de bien dans les dry, c'est qu'ils vont moins vite. Donc ben, j'ai l'impression d'arriver à peu près à suivre. On se descend tout choules là. Là on fait que des. Ils m'ont fait peur, ils ont freiné comme des malades. On fait que ça là, on fait des petites montées, des petites descentes. Ah, on reprend les bonnes vieilles habitudes. On pousse. Ah, on est carrément dans les gorges là. Dans les gorges, dans les gorges. On a pas qu'il y a un orage là. On donne un coup de main aux collègues. C'est bien les gars. Aujourd'hui c'est Koh-Lanta. Là il y a Pascal. Quand Pascal il fait des sorties, c'est Tchernobyl. Enfin, tant qu'on n'est pas obligé de bouffer des criquets l'hiver de soie, c'est bon.
Non mais là-bas on passe pas, c'est les drives de Pascal là. Bon ben, ça a l'air de descendre un peu, on prend. Tant pis, il va falloir tout remonter, vu où on voulait aller. Mais on prend quand même. Oh, trop freiné. Ah bah bien sympa là. Ah allez, ça roule tranquillement dans les vignes pour l'instant. Il fait bon, on a récupéré presque 10 degrés. C'est topissime. Là, c'est agréable. Quand je vois dans les conditions que vous roulez dans le nord, les enfants, mais franchement, moi, vous avez du mérite. Je sais pas comment vous faites. Vous êtes au top. Bon, ben ça va, on est encore dans du faux plat. Ça aurait pu être pire, hein, ça aurait pu monter. Hein. Oh, pour l'instant, franchement, j'ai le moral. Je suis fatigué, mais je suis pas encore dans mes réserves comme la semaine dernière. Bon, en même temps, on a quand même fait beaucoup moins de dénivelé. Mais bon, c'est toujours bien pour se motiver. Bon, ben, fier de moi pour l'instant. Tout sur le vélo. Je vais pas vite, mais j'ai fait sur le vélo. C'est pas fini. Il va encore rien avoir. C'est beau point de vue. Rouler avec un toile de fond, la mer, le ciel dégagé, panorama à 360, franchement, magnifique. Je regrette pas de mettre le vélo ce matin. Bon, ben, ça sera pas une petite piste, ça sera pas un petit single, mais ça a l'air d'être un petit peu raide. Il y a un truc qui part sur la gauche là. Ça sent la plaquette les amis. Ça sent grave la plaquette. Bon, c'était pas une belle descente. Mais en plus, c'est qu'il va falloir se remonter tout ça maintenant. Sans déconner. Voilà, vous m'avez fait rêver, c'est la plus belle descente de ma vie. Allez, ça remonte un petit peu, on est dans les vignes. On a fait un petit tronçon de piste cyclable. Je voulais passer. C'est pour moi, c'est gentil. Et là on a rejoint la moitié. Je sais pas où on est du tout, donc je peux pas vous dire où on en est par rapport à la sortie. Pour l'instant ça va. Allez, ça monte. Ça monte, ça monte. Oh, mais là, je sais plus où. On est passé en plus tout à l'heure, mais je sais plus où on est. Ah putain, je crois qu'on arrive
à la marge de toute heure. Rien s'est passé, tu vois. Comme quoi, la tronche. Merde. On n'est pas resté sur une défaite. Hein. Allez, je suis content. Mais on pourra dire que c'est sorti, je suis content. Allez, elle est passée, celle-là. Eh ben, tu vois, ça remet un petit peu en confiance, la petite marche. Bon, ça. C'est bon, ça. Oh là là, on s'arrête pas là. Ça s'arrête. C'est Jean-Louis ça. Ah putain, ah, c'est ça. C'est Jean-Louis, même en descente il s'arrête. Ah, ah, lamentable. Lamentable. Wouh. Ouais. Ah Jean-Louis, c'était une vraie bise. Wouh Jean-Louis. C'est le parcours. S'arrête pas là. Et il est passé de partout à pied. Allez, bim. On est dans les deux derniers coups de cul là. Ce qu'on a pris d'entrée ce matin là. Enfin, quand on est sorti des vignes. Et après, ben, ça va dérouler par le bord de mer jusqu'aux bagnoles. Allez, bim, ça descend. Et deuxième petite descente. Et la dernière de la sortie. Allez, il n'y a plus qu'à dérouler maintenant. Allez, comme promis, on déroule sur la plage. Tranquillement. Jusqu'aux voitures, on se refait un petit peu. Il fait beau. Le ciel est bleu. La mer est calme. Que demander de plus? Allez, on va faire le petit bilan. Je pars dans les derniers tours de roue. Eh bien, écoutez, bien mieux que la semaine dernière. Bon, en même temps, on a fait que la moitié du dénivelé, donc forcément plus confortable, mais je suis encore bien là. Ça donne envie de continuer, contrairement à la semaine dernière où c'était dur. Donc là on a fait quoi? On va faire 30 km à l'arrivée, je pense, pas loin. 500 mètres de dénivelé, donc voilà, en dénivelé on est presque à moitié de ce qu'on a fait l'année dernière, un petit peu moins quoi. Donc que du bon là, aujourd'hui c'est positif et en plus, vous voyez, la petite marche que j'ai pas fait d'entrée, je l'ai fait le deuxième coup, donc on reste même pas sur un échec. Donc que du bon aujourd'hui. Allez, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes régalé vous aussi. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.